salut mon frère, salut ta soeur, tu es voisin. Maintenant tu es seul, comme ma soeur là-bas. Bon, si on dit salut ton frère, tu fais comment? C'est son soeur. D'accord. Voilà. Alors ce soir, il y a des chants de qualité. Voilà sur notre liste. Et par ma voix, la génération Josué qui est là vous souhaite la bienvenue. Moment comme un concert, un spectacle, non. Nous sommes venus honorer le Seigneur Jésus. Donc mettons donc une attitude d'adoration, de louange et de célébration. De tout notre cœur, célébrons le Seigneur. Ne vous gênez surtout pas, la place est grande ici. Vous pouvez venir danser, vous pouvez chanter, vous pouvez adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Voilà. Alors nous sommes déjà installés, bien habillés. On a eu le temps d'écouter les différentes voix ensemble qu'elles sont prêtes. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Voilà, parce que nous sommes prêts. Prêts. Avant donc de commencer, je crois qu'on va prier. C'est vrai qu'on n'est pas à l'église, mais où les enfants de Dieu sont réunis, Jésus est présent. Donc permettez-nous que nous reposons ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus. Alors, à moment, elle est là depuis 15 heures. Je ne la connais pas personnellement. Il ne dit pas que je donne le micro à ma connaissance. Voilà. Alors, cette présidente, elle prie, mais c'est espérant pour les mains de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, le Dieu plus puissant de Dieu. Mon Jésus, prends mon cœur, fais mon cœur. Et mon cœur voyant ta beauté, toi. Et mon cœur.
Thank you.
Thank you.
Je n'allais pas rêver, j'allais aller là-bas. Mais Dieu m'envoie là-bas
pas pour chanter dans une église, pas pour faire un concert dans une église, mais fais un grand concert peut-être à 6000 places. Et c'est rempli. Et je me suis souvenu du rêve que j'avais vu là. Voici la matérialisation. Amen. Donnez-moi la main bien. Amen. Je voulais juste dire aux gens de Yoka, le staff de Yoka, vous savez, la vraie prophétie commence par son sens contraire. C'est pour ça que la Bible dans la Genèse dit, quand Dieu sépara les ténèbres et la lumière, il a eu la nuit et le jour. On commençait d'abord par la nuit et puis enfin le jour. Donc la prophétie peut commencer d'abord par un sens contraire. Comme moi, la mère fait appeler. Une prophétie, mais qui commence son accomplissement par un sens contraire. Je sais que dans les jours à venir, lorsqu'on dira, Yoka en train d'organiser le concert, je vois Yoka en train d'organiser le concert à Paris. Je vois Yoka en train d'organiser le concert à Paris. Est-ce que tu peux pousser les cris de victoire? Est-ce que tu peux acclamer que la nuit, le soleil apparaîtra un jour? Que soit la durée des ténèbres, la lumière apparaîtra en haut. Vamos, yeah.
besoin la durée du célibat, ton mariage apparaîtra. Alléluia. Si dans ta vie tu as eu quelqu'un pour te mentir, je te dis Dieu aussi mettra sur ton chemin un homme pour te bénir. Si il y a eu quelqu'un qui a refusé de t'amener à la mairie, après ce concert, tu rencontreras un homme ou une femme dimensionnellement dimensionnelle. Si c'est comme ça, tu ne peux pas. Thank you.
Thank you.
ordinaire. Moïse a déplacé les buissons parce que les buissons n'avaient pas encore pris feu. Quand Moïse a déplacé les buissons, derrière lui, le buisson a pris feu. Alors il s'est détourné pour regarder quel est ce buisson en plein sabbat qui prend feu. Bien-aimé, tant que tu n'as pas encore pris feu, les gens ne peuvent pas te regarder. Tant que tu n'as pas encore pris feu, Moïse ne peut pas te regarder. Lorsque Moïse s'est détourné, il a regardé le buisson. Il a constaté que le buisson portait la gloire. Je suis venu dire à une personne, la vie est semblable à un buisson à blanc. Je te vois en train de prier, je te vois en train de régner, je te vois en train de monter, je te vois en train de témoigner, je te vois en train de parler, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois, je dis, je te vois, en train de voyager. Israël a mangé les fruits des champs, il a sucé le miel du rocher. Thank you.
Yeah.
Pourquoi tu vas t'abstenir? Donc participe, fais l'essentiel et ne
sois pas spectateur. Père, déjà, il n'y a pas assez de monde pour que tu puisses regarder ça et là. Donc, il suffit de regarder déjà là. Tu vas voir tout le monde et puis tu te concentres ici. C'est tout. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très bien Jésus? Non, je disais, ¡Gracias!
Somebody.
Thank you.
sorcière et la sorcière et moi. Je veux te parler. Toujours avec ce même tiré, dans le même jeu comme Pierre. Je veux te parler. Même si vous m'enfermez dans la prison comme Joseph et moi. Je veux te parler. Ce n'est pas plus d'un homme, ça n'est pas plus de quelqu'un de moi. Je ne t'ai pas dit pas ça là, j'ai resté avec un cassette. Je ne t'ai pas dit. Béni Marie, comme tu as l'habitude, mais cette fois-ci. Je ne t'ai pas dit. Jésus là, le Saint-Esprit est là, il est tout chez moi. Thank you.
Et c'est bon. Est-ce qu'on peut aller avec Fanda Nayo?